Ruggiero Rosato. Il reste ensuite tout de même aussi le grec Yanis Melissanidis, qui a été champion d'Europe junior. Mais intéressons-nous à Mercedes Pacheco, l'Espagnole, capable elle aussi de monter sur le podium. Voilà, là elle présente un niveau un petit peu supérieur. On le voit dans le rythme de l'enchaînement, dans la technique des lâchers de barre également. Et on alterne beaucoup plus vivement le travail à la barre supérieure et à la barre inférieure. Vous voyez avec quel dynamisme elle s'établit à l'équilibre. L'accélération sur les tours est franche, franche et nette. Et le double salto arrière tendu. C'est un autre niveau qu'elle nous présente ici par rapport à ses concurrentes précédentes. Ah mais Pacheco était en mesure de remporter le concours général. Si elle n'avait pas commis une faute au saut lors de la dernière rotation. Mais elle se rattrape très franchement sur ce double temps.